Et salut tout le monde, c'est Jean-Bloc et on se retrouve pour ce 9e épisode du Let's Play d'Assassin's Creed Rogue. Il n'y a plus de chiffres, ça y est, c'est fini, hein, de toute façon. Et on s'était laissé après la récupération du bateau. Oui, parce que oui, on avait récupéré le bateau. Puis là, on va... Et oui, parce que oui, depuis, il a passé du côté obscur quand même. Hein. Si vous n'avez pas vu les précédents épisodes, je vous invite à aller les voir. Parce que... Petit passage du côté obscur... Même. Oui, parce que est-ce que c'est plus ou moins trahi quoi que ce soit, c'est lui qui a plus trahi la confrérie plutôt que la confrérie qui l'a trahi. Je sais pas comment je pourrais formuler ça. En vrai. Parce que en vrai, il a raison dans le sens où regardez tous les innocents qui ont été tué au Portugal. C'est Lisbonne, je crois. Je sais plus. Mais ouais, tout ça a fait que... Bah, il a fait une prise de conscience. Parce que déjà, à Haïti, il y avait eu un truc comme ça. Tremblement de terre. Là, il a vécu ce tremblement de terre. Et... En fait... Là où il y en a, ils partent en cacahuète pour rien. Lui, il avait vraiment des raisons de partir en cacahuète. On va découvrir un peu plus. Parce qu'en plus, il a aucune parenté avec qui que ce soit. Ouais. Parce que là où on se pose des questions, ben non. Il est... C'est des mémoires paumées, je sais pas quoi ils cherchaient. On sait pas un peu ce qui se passe en dehors de l'animus. J'ai dit en dehors de la matrice, mais... c'est pas Néo. Ouais. Je me suis vautré, mais ça c'est pas grave. Est-ce que vous avez l'habitude ici? Totalement. Est-ce que ça risque de re-arriver? Peut-être. Voilà. Est-ce qu'on va finir un petit tour en bateau? Potentiellement. On est à Greenwich. Hein. Donc oui, on est à New York. Là, on a une mission qu'on devait commencer, mais qu'en fait, on a laissé ça pour cet épisode. Et on va la lancer tout de suite, hein, cette mission. On va pas perdre trop de temps. Capitaine à la roue. Attends. Si je refuse. On va faire ça. Des missions là-bas, pourquoi j'irai pas? Et au fait, pourquoi il y a le truc de mission qui est posé là? Et oui, je crois que depuis la dernière fois, oui, j'avais fait... Le colonel nous attend à Albany. J'ai fait abstraction. Désolé. Comment nous? Je croyais que tu voulais t'entretenir avec Monroe. Pas m'enrôler dans l'armée. Loin de moi cette idée, cher. Mais j'admire les idéaux du colonel et je tiens à les concrétiser. D'accord. Quel genre d'idéaux? Des frontières sûres, des fermes prospères, le libre-échange, tout ce qui manque à ces pauvres colonies. Ça m'a tout l'air d'une noble utopie. Oui, tout à fait. Mais que dirais-tu d'y contribuer? Le colonel Monroe est un homme étrange. Mais ses intentions sont certainement louables. Nous rallierons Albany. J'aviserai par la suite. Parfait. Toute voile dehors. Attends, il y a un truc qui m'intrigue là. On arrive là. Ah, QG de du gang. Ok. Ah, c'est nouveau en fait. Bah, je crois que maintenant, vu qu'on est passé du côté, c'est peut-être les assassins qui vont... contre qui on va se battre. Je crois que je me suis fait un peu spoiler un peu le truc de l'histoire, mais bon.
On aime, j'aime bien avoir les histoires complètes. Hein. Moi, je peux, par exemple, même s'il n'y a pas une continuité directe avec des épisodes de séries, de jeux ou quoi que ce soit, ben moi, j'aime bien comprendre tout ça dans l'ordre et tout. Si par exemple vous avez des films sans aucune continuité, tu me dis bah je peux regarder celui-là, je peux regarder celui-là. Oh, par contre, ils auraient pu faire mieux quand même à l'époque. Hein. Je vérifie hein, parce que ça me chagrine depuis tout à l'heure. Je veux voir si la distance de rendu elle est. C'est-à-dire que j'ai tout activé et que ça me pose aucun problème. J'ai peut-être mûri hein, sur les réglages graphiques. Hein. Bon, après, il faut dire que j'ai. Niveau problème graphique, j'ai joué à Hogwarts Legacy sur PC, donc. Pour ceux qui connaissent un Préolard, hein. La souffrance de Préolard. Bon. Ouais, mais ça, c'est les vieux jeux. Hein. Je crois qu'on se souciait moins de la render distance. Et encore, regardez, hop, on passe comme ça. Ça se voit trop en fait, c'est le problème. Tu fais ça. Ils auraient dû faire une render distance un peu plus élevée. Ainsi, vous êtes sain et sauf. Oui, ouais. Grâce au capitaine. Un fier bâtiment, capitaine Cormac. Merci, colonel Monroe. Master Geist. Qu'avez-vous appris au sujet des conspirateurs et de leurs nouvelles armes? Leur base d'opération est située dans un fort français en aval de la rivière. Vous aimeriez les en déloger, n'est-ce pas? Les Français ont bâti un fort au cœur de notre territoire. Ils préparent sûrement une attaque. New York est en danger. Vous joindrez-vous à nous, Master Cormac? Flemme. Oui. Trop d'innocents ont déjà perdu la vie. Je serais d'avis de renforcer notre vaisseau. Le Morrigan est robuste, mais avec quelques ressources, nous pourrions le rendre invincible. Et il se trouve que je connais un avant-poste français non loin d'ici. Ton idée me plaît. Je suis pas sûr que son idée me plaît aussi, mais bon. Je sais pas si je peux tenter un truc. Désolé si ça fait trop de bruit derrière ma voix. Rejoignez l'avant-poste. Ok, bah, ça me permet de me casser de l'endroit où le render distance est un peu plus éclaté au sol. Capitaine à la roue ! Que peuvent bien manigancer les Français ? Veulent-ils juste occuper ce territoire ? C'est une incursion économique plus que géographique. Certains bandits des environs sont soutenus par des ennemis des colonies. Ils cherchent à saper l'autorité locale. Ouais, je fais genre comme si je regardais. J'ai entendu dire qu'ils détroussent les civils pour revendre les biens de première nécessité à 10 fois leur prix. Les pauvres sont toujours les premiers à souffrir. Colonel, je vous trouve bien euphorique tous les deux. Sûrement plus très loin. Est-ce l'eau qui vous met en pareil état, ou bien le whisky? Pourquoi diable cette question? Je pense que c'est une question pour Ma seule préoccupation est d'assurer la sécurité, le développement et l'unité de l'économie. Moi qui croyais que les Nantis y cherchaient surtout les bénéfices. Je ne suis pas un Nanti, Mr. Cormac. L'argent n'est qu'un outil. Certainement pas une fin en soi. C'est toi qui le dis. En gagner aux cartes ne m'a jamais gêné. Gardez-en à la dérive. Bah bien sûr qu'on va récupérer. Attention au gras. Serrez un peu. Serrez les bonnets. On approche du but, je le sens. Serrez. Attends. L'avant-poste est là. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Traverser la rivière? Quoi faire?
Je remplace un peu le ventilo. Ouais, le PC chauffe trop, je comprends pas. Ça devrait pas être normal qu'un PC soit aussi chaud, mais bon. Ah. J'aime bien un synchro, même si ça sert à rien, vu qu'apparemment on a eu un petit cheat. C'est un cheat payant, c'était dans la version de Deluxe hein, quand je l'ai acheté, donc. Je peux rien y faire. Je pense que si j'avais empêché les DLC de se télécharger sur Steam, j'aurais quand même eu. Non mais c'est vrai, hein, le PC il est... Alors, j'ai l'impression que ouais... Y a pas de... Est-ce que ce serait les ventilos qui seraient tombés en rade? Pardon? Quand tu me regardes comme ça, je vais te démonter ta daronne. Oh, regarde-moi pas comme ça là, je t'ai dit, ouais c'est bien ça, tourne la tête. Pardon. Il est un peu trop proche, lui. Bon, j'ai la clé. Allez, maniez-vous un peu. Je sais que vous vous emmerdez, mais c'est pas une raison pour être moins vigilant. Jean et la Violette, vous allez patrouiller le côté nord. Tu as la clé de mon cœur. Enfin, au moins du butin ici présent. Piller l'avant-poste, ok. Ok. Là, la clé, c'était hyper facile pour la récupérer. Je vois pas comment je peux faire, là. C'était pas le bon truc. Vous allez aggraver. Il va se faire fumer en 2-2, comme d'hab. On arrive dans la fumée. Arrêtez de paniquer les gens autour, hein, parce que franchement, ça devient saoulant. Mais il y a toujours un mec ou quoi? Tais-toi!
Ok, ça va être compliqué pour le récupérer, lui. Il va falloir piller l'entrepôt. Mais le truc, c'est qu'il y a beaucoup trop de monde autour. Donc, il va falloir faire un... Aïe. Il est con. Arrête. C'est parfait. Je me suis enrôlé pour une autre année. Genre. Au revoir. Ouais, ça va, c'était rendement bien mené. Je pense que je pensais pas réussir comme ça. Oui, le chien. Bon, le coffre, hein. Parce que, en fait, c'est juste du record. Je parle du PC. C'est juste du record et Assassin's Creed, donc il devrait pas chauffer tant que ça. On m'a dit que c'était normal. J'y crois pas. Pour augmenter la puissance du Morrigan. Ok. Il faudra des canons plus puissants pour approcher de ce fort. Ok. Gagne la cabine pour superviser. Alors, il me faut, il a dit, je vais vendre déjà. Le tabac, ça me sert à rien. Et ça me fait un peu plus de thunes. Vendre des produits de chasse. Non, je vais garder parce que ça permet d'améliorer certains trucs. Merde. Merde, il a cru que j'avais amélioré, ce con. Amélioration, ils ont dit des canons plus puissants. Et ça, ça peut le faire. J'ai pas de mortier. On va mettre un mortier là. Sauf que maintenant je vais vendre les produits de chasse, hein, je pense. Attends, mais non. Le tissu, il sert pour améliorer le truc de les quartiers d'équipage. Si le quartier l'équipage il est déjà fait, j'ai pas besoin de garder le tissu. Ah, les voiles. Ouais, mais les voiles, je les améliore pas, c'est ça. On va regarder. Qu'est-ce que j'améliore dans les voiles? Est-ce que j'améliore les voiles? Non. Vendre. Ouais. Jamais vu. Après, peut-être la couleur des voiles et tout ça, d'accord. Mais là, en vrai, je vois pas.
puissance des boulets ronds. On va améliorer ça. Comme ça, c'est fait. Il me reste 1900. Je vais utiliser ça, je pense. Voilà. Voilà, c'est parfait. On a bien amélioré. Il va falloir s'emparer du fort maintenant. Surtout quand je parle du PC, c'est 90 degrés des fois. Tu comprends pas. Magnifique. Et... le Morrigan sèmera la terreur parmi les défenseurs de ce fort. Capitaine Cormac, votre navire a fière allure, Master Cormac. Le fort ne devrait guère lui opposer de résistance. Bah j'espère. Espérons que les Français seront pugnaces. J'ai hâte de me mesurer à eux. Ne souhaitez jamais le combat, Master Beast. Par les temps qui courent, nous en avons déjà bien assez. De toute façon, il nous suffira de trouver le commandant pour que les Français se rendent, non? Oui, c'est une stratégie sensée. Mais il faudra commencer par affaiblir les défenses. Logique. Sinon, ils s'y retrancheront comme dans une tanière. Bon, bah, c'est le retour des forts. Oh, il a l'air sympa. Le mortier, oui. J'ai activé. Ouais, bah en même temps, les forts, ils sont pas très forts. Hein. Bah ouais, je sais. Ils essayent de me faire bobo, c'est ça? J'essaie de comprendre les dégâts qu'ils tentent de faire parce que... voilà. Est-ce que j'irai pas récupérer un peu les ressources qui traînent avant de... Ouais, ouais, t'inquiète, on y va. Ah, il a pas fait de bruit ce truc. Toute la toile, il peut le supporter. Toute toile dehors. Tiens, par contre, j'ai pas assez de d'équipage, on dirait. Je suis un peu plus de la moitié. Oui, t'inquiète, la tempête. On fait notre affaire. Ouais, vous voyez, il fait pas de bruit. Je sais pas compris pourquoi. Oui, les ennemis patrouillent dans ces eaux. Mais nous, on va aller détruire le... Ouais. Je l'ai vu au dernier moment. Allez.
Eh, joli demi-tour. Maintenant, on va enfin infiltrer ce fort. Ah là. Maintenant, trouvons le commandant. D'accord, il y en a deux à tuer. Je vois. Oh, joli ça. Trop fort. Raté. Tout ça pour ça. Allez, let's go. Il me saoule. Les deux vigies. Voilà. Faites pas le poids là, franchement. Par contre, moi, celui qui veut me tuer, il fait le poids, ouais. Ah, c'est vrai que j'avais oublié. Vas-y. Vas-y! Putain, j'en ai marre. Aïe, il fait bobo lui. Voilà. Allez, on y go. Comment ça, anonyme? Anonyme. Je dois être anonyme. J'y crois pas, quoi. Il est sérieux, le jeu? Ok. Voilà, enfin. On est en train de détruire un fort. Shay, ça faisait si longtemps. Tu étais parti en mission spéciale? Oui. Achille m'envoie. Quelle coïncidence. Moi aussi, il m'envoie. Ne m'oblige pas à faire ça, chasseur. Tu hésites à m'assassiner? Je croyais que c'était ta spécialité. On pourrait s'en sortir tous les deux. Bien sûr, mais j'irai raconter à tes frères que tu es encore en vie. Tu vas devoir me tuer, Shay. Pourquoi? J'ai pas eu le temps de lire ce qu'il fallait faire pour le contre-carré, parce que oui, c'est des assassins, donc ils sont doués. C'est un peu long là quand même. Ne m'oblige pas à faire ça, chasseur. Tu hésites à m'assassiner? Je croyais que c'était ta spécialité. On pourrait s'en sortir tous les deux. Bien sûr, mais j'irai raconter à tes frères que tu es encore. Tu vas devoir me tuer, Shay. Viens. Valiant effort.
Mais j'ai appuyé. Ok. Oh, mais c'est quoi ces combats là, mon molneux, quoi? Ça, franchement. Ouais, tu dois l'envoyer dans les trucs. Vas-y, une balle, on n'en parle plus, quoi. Est-ce que je peux tirer, au fait? Ne m'oblige pas à faire ça, chasseur. J'hésite à m'assassiner? Je croyais que c'était ta spécialité. On pourrait s'en sortir tous les deux. Tu as toujours été un bon assassin, Shay. Toi aussi. Dis-moi, que fais-tu si loin dans les terres? Des armes spéciales. Des gaz toxiques pour lutter contre les autorités coloniales. Je ne suis qu'un simple livreur. Et tu as bien mérité de reposer en paix. J'aime bien parce que c'est comme si les forts, on les avait rappelé les forts qu'on récupérait dans Black Flag. T'as l'impression qu'on fait l'inverse maintenant. Oh bah... Mémoire 3 fini. Ok. Donc on a fait ce fort là, je pense qu'au fur et à mesure il faudra les faire quoi. Les QG de gang aussi surtout. Ah je gagne 630 de l'heure. Oh environ quoi. Le chasseur avait raison. Je n'avais pas le choix. Si les assassins découvrent que je suis vivant, ils me traqueront. Qu'est-ce qu'ils font là? Mais pourquoi ils sont rouges? Je comprends pas. Hein? Je comprends pas le délire. Ils sont rouges comme s'ils étaient les ennemis, alors que. C'est un peu con, non? D'accord, il est là. Ah, je cherchais pas forcément à le faire, hein. C'est juste que. Et sur le chemin du retour. Est-ce qu'on peut aller voir vite fait ce qu'il m'a dit comme amélioration? Mais j'y crois moyen en vrai. Que puis-je faire pour vous? Vendre. Vendre cargaison. Tabac. Ah, ça fait 105 de plus, ça me permet d'acheter rien du tout, parce que... acheter... Et je peux acheter des munitions. Voilà. Le mortier, pareil. Ah, ça coûte de l'argent. Bon, ça, c'est bon, on est à fond. Amélioration... je crois que là, vu tous les points d'exclamation, on a débloqué des trucs. Là, il faut juste de la thune. En clair. Je pourrais améliorer les prompts, mais je vois pas l'intérêt en vrai. Je l'améliore lui. Hein. Je sais pas à quoi il sert, mais. Ok. Eh ben c'est très bien. On a amélioré un peu plus. Ah mais attends. Ah oui mais non. Vu que j'ai demandé. Je crois d'améliorer. Il me faut des munitions supplémentaires. Bah oui.
Barrel de mortier. J'ai demandé d'augmenter le nombre de projectiles, donc du moins le nombre de stockage. Donc si je le fais pas, ah ouais, putain. Je pourrais faire cuire un œuf dessus, franchement. Hop là, on va s'arrêter ici. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le faire savoir par les moyens habituels, le like, le commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Puis nous, on se donne rendez-vous pour de prochaines aventures. Ciao, bye bye.